Moi, je voulais faire une couronne de table. C'est pas difficile. Vous prenez des branches de sapin, vous laquez absolument tout, hein. Après, vous prenez vos boules, vous les disposez comme vous voulez. Soit vous les collez, hein, tout simplement. Soit vous prenez, si vous voulez récupérer vos boules, du scotch. Et oui, ça marche aussi. Je vais vous montrer, en fait, comment on fait là pour la colle. Il faut attendre, hein. Et le scotch, ben, vous faites tout simplement là, ici, comme ça, hein, et là. Et ça tient. Mais bien laqué, là, ici, le tout, hein. Et quand vous coupez, là, ici, toutes vos branches, là, ici, coupez tout d'abord en biais, hein, comme ça. Vous coupez, mais toujours en biais. Jamais, jamais droit. Sinon, ce n'est pas beau. Et si vous avez un trou là, comme ça, ici, ben, vous le mettez là, comme ça, là, ici, comme ça, dans le truc là que vous avez accroché. Moi, j'ai déjà mis un flou pour faire joli. Voilà. Va être plus compliqué là, du coup. Ou sinon, vous collez. C'est possible. Ou vous scotchez. On va en prendre une autre. Alors, vous mettez par le dessous, mais mettez toujours en fait la branche à l'endroit, hein, jamais à l'envers. Voilà, alors là, vous voyez, il faut couper. On coupe en biais. Avec un sécateur, c'est mieux. Après, ben, vous venez mettre des pommes de pin, comme ça. On en trouve partout à cette période. Là, comme ça, vous les collez. Vous prenez des trucs de buis, comme ça, là, de gui. Vous en mettez d'autres, là. Je crois que j'avais encore du gui quelque part, ben tant pis. Et au centre, vous faites couler un peu de bougie là comme ça, ici, et vous en mettez, mais une magnifique, une grande, hein, voilà, de façon à ce qu'elle tienne bien. Et là, vous avez un centre de table, ben, fabriqué, mais vraiment pour pas cher. Quand je dis pas cher, c'est vraiment pas cher, hein, voilà. Alors la colle. Ben, il faut bien la tenir, mais vraiment longtemps, 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 longtemps. Enfin, longtemps. Vous comptez une demi-heure en tout, en fait, pour faire votre centre de table. Ah oui, et puis vous pouvez rajouter là comme ça des petits cotons, ou sinon vous rajoutez, on appelle ça vous vaporisez de neige. Bon, moi, j'ai de la neige comme ça. Alors, je prends ce que j'ai, hein, je récupère. Hein. Et vous tirez bien. Voilà. S'il y a des choses à cacher, vous cachez. Voilà encore une autre pomme de pin. Je sais pas, je vais la mettre par là. Je la fixerai par la suite. J'ai pas envie de perdre. Je veux pas que la vidéo soit beaucoup trop trop longue. Ne chargez pas trop parce qu'après ça fera pas beau. Hein. Vous voyez, là, ça suffit, mais vraiment largement. Hein. Voilà. Bah écoutez, ça n'a pas été trop long, hein, je pense. Voilà. Bien fixé au centre avec de la ficelle invisible, tout simplement. Et vous mettez votre bougie au centre, mais une belle grande bougie. Et vous faites attention là ici qu'il n'y ait pas grand-chose. Hein. Parce que sinon, il ne faudrait pas que ça prenne feu. Ce serait dommage. Hein. Voilà. Ben, c'est tout. C'est fini. Allez, au revoir.